Pas l'actrice du siècle, Dominique Besnéard s'en prend à Nora Hamzaoui après son soutien à Judith Godrèche. Alors que la comédienne Nora Hamzaoui s'est opposée à la sortie du prochain film de Jacques Doyon suite aux accusations de Judith Godrèche contre le réalisateur, le producteur Dominique Besnéard a lourdement taclé l'actrice. Accusé de viol et d'agression sexuelle par Judith Godrèche, le réalisateur Jacques Doyon a vu la date de sortie de son prochain film être maintenue au cinéma. Tête d'affiche de ce long métrage, la comédienne Nora Hamzaoui s'est vivement opposée à cette décision. De son côté, le producteur Dominique Besnéard a lourdement taclé l'actrice suite à sa prise de position, en remettant notamment en question ses talents de comédienne. Le réalisateur Jacques Doyon est dans la tourmente depuis les accusations de Judith Godrèche. Pour rappel, l'actrice a porté plainte contre le cinéaste. Elle dénonce des faits de viol sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité, mais aussi de violence par concubin, et d'agression sexuelle sur mineur de plus de 15 ans par personne ayant autorité. Malgré les accusations de Judith Godrèche, le prochain film de Jacques Doyon a vu sa date de sortie au cinéma être maintenue. Après concertation avec tous les partenaires ayant soutenu l'initiative et porté la production du film Spell 2-bas, nous avons pris la décision de confirmer sa date de sortie. Prévue en France le 27 mars 2024, a indiqué le producteur du film, Bruno Pesery. Jacques Doyon, Nora Hamzaoui apporte son soutien à Judith Godrèche. Il nous importe que cette décision ne soit pas accueillie comme l'expression d'une surdité ou d'une indifférence à l'égard des accusations portées à l'encontre de son auteur. Elles sont graves. Nous en avons pris la mesure dès la première heure, a-t-il ajouté dans un communiqué transmis à l'AFP. Suite aux accusations de Judith Godrèche contre Jacques Doyon, Nora Hamzaoui a pris la parole. Tête d'affiche du prochain film de Jacques Doyon, la comédienne s'est opposée à la sortie du long métrage afin de soutenir Judith Godrèche. La sortie du film de Jacques Doyon dans lequel j'ai tourné il y a 4 ans, est maintenue. Je ne soutiens pas cette décision, qui d'après moi représente un mépris vis-à-vis de la parole de la femme, a-t-elle écrit sur Instagram. Dominique Besnéard très critique sur la performance de Nora Hamzaoui dans le prochain film de Jacques Doyon. Ce qui se passe dans le milieu du cinéma, et qui, je l'espère, s'étend à d'autres milieux, est essentiel et important. Si est-il la chose essentielle à soutenir en priorité aujourd'hui, a aussi ajouté Nora Hamzaoui. Suite à son soutien envers Judith Godrèche, l'actrice a été lourdement taclée par le célèbre producteur Dominique Besnéard. Ce n'est pas l'actrice du siècle. Je peux vous dire que le point faible du film, si est-il l'interprétation de cette actrice qui ne souhaite pas que le film sorte. D'ailleurs, je n'ai pas compris que Jacques Doyon, qui a toujours eu le sens des acteurs, ait pu choisir cette mauvaise, a écrit l'ancien agent artistique sur Facebook. Dominique Besnéard ne s'est en revanche pas exprimé concernant les accusations de Judith Godrèche contre le cinéaste.